Tu veux quoi, toi? Tu le vois? Je le vois pas. Hé, c'est qui eux? C'est des racailles du lycée d'à côté. Ils aiment bien venir ici pour se battre avec les gens et draguer les filles. Jure. Apparemment, aujourd'hui, ils viennent voir un certain Hugo. Ils aiment bien venir défoncer les plus forts du lycée pour les humilier devant tout le monde. Wesh, wesh, ils arrivent, ils arrivent. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas un gilet, t'as pas un gilet? Non, pourquoi? Passe ta chemise, passe ta chemise! Non, non, j'ai qu'un t-shirt en dessous, je vais attraper froid. Pas grave, wesh, il fait pas froid, vite! Ok. Pourquoi tu changes de tenue? Ils arrivent vers nous, passe tes lunettes, vite! Bonjour, vous allez bien? Ouais, je raconte quoi à lui là? Oh, votre lacet, il est défait, vous risquez de tomber. Vous voulez que je vous le refasse? Ah, je comprends mieux. C'est toi, Hugo. Vas-y, fais-moi mon lacet bouffon, fais-le. Hop! Et voilà, vous pouvez y aller, messieurs. Bonne journée. C'est bien, mon petit, c'est bien. Vas-y, on y va. Hey, tu dis à personne, hein. Hey, si tu dis un truc, t'es foutu. Ok. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. J'espère qu'elle m'a convoqué pour dire des trucs gentils. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, elle va dire des trucs gentils. Ça ne vous dérange pas si je vais aux toilettes avant que le rendez-vous commence? Pas de souci, on vous attend pour commencer. C'est à droite au fond du couloir. Ça va, Hugo? Madame, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Dis-moi. Je vous en supplie. J'ai jamais vu un élève pleurer comme ça pendant un rendez-vous. Madame, je vous en supplie. Hugo, ressaisis-toi. Je vais juste dire à ta mère que tu es souvent dissipé. Dites rien à ma mère, s'il vous plaît, dites-lui rien. Je ne peux pas, Hugo. Je suis obligé de le dire à ta mère. Je suis tout le temps en train de te reprendre. Mais madame, elle va me défoncer. Ah, c'est vrai que tu as l'air d'avoir peur. Je vous jure, madame, elle va me déglinguer. Je suis foutu si vous dites un truc. Ma vie, elle est ruinée. C'est fini. Tu me mets dans une situation très compliquée. Madame, je vous en conjure, dites rien. Je vous jure, je fais plus aucune connerie. Tu ne perturberas plus la classe? Ah oui. Me revoilà. T'as pleuré? Non. Alors, pourquoi est-ce que vous m'avez con... Hugo a fait des efforts. Non. Je t'avais dit que ça allait être positif. Bon, le rendez-vous est terminé. On y va. Merci, madame. Merci. Merci, vous m'avez évité la peine de mort. Merci. Ouais, en direct de ma cité, on est là. Je suis posé à la cité au calme. Ouah, t'es trop beau, ça se voit, t'es dangereux. Mais c'est qui lui? Il raconte quoi là depuis tout à l'heure? T'as capté, je suis à la cité et tout. Là-bas, il y a mon équipe, mais je peux pas montrer parce que t'as vu, c'est Ouais! top secret. Ouais! Wesh, ça vient d'où mon gars? Tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'accompagne chez toi? Je 3, 2, 1. En fait, voilà. J'ai rien compris là. Je fais une balade. Je fais une petite balade, je passe par là, voilà, parce que c'est bon pour la santé de marcher. Voilà, du coup, je fais un petit tour et je m'en vais. Ah, ok. Et y a quoi là-dedans là? Là, y a rien. Y a rien. Ok. Et en fait, on lui a dit pour le péage ou pas? Non, tu lui as pas dit non. Faut que tu payes le péage, mon gars. Ah ouais, faut payer le péage, hein, mon gars, faut payer, hein. Quel péage? C'est nous le péage. Et là-bas, là, tu vois, eux, là-bas, là? Ouais! Eux aussi, c'est le péage. Il y a plein de péages ici. Tu payes à chaque péage. En fait, j'ai pas d'argent. Ah ouais? Et c'est quoi ça? Non, c'est pour acheter la baguette. C'est ma mère, elle m'a dit, va acheter une baguette. Du coup, je suis parti acheter une baguette, mais moi, j'habite là-bas, et la baguette, elle est là-bas. C'est-à-dire, je passe comme ça. Mais sinon, y a rien. Ok, y a rien. Il a dit, il n'y a rien. Ah bah tu vois qu'il y a des choses là. Non, il n'y a plus rien. Vas-y, ramasse, ramasse. Ouais. Ah, voilà, c'est bon. Tu peux aller à l'autre péage là-bas, là. Hey, Hugo. Quoi? Tu fais quoi? Hey, pose pas de questions, ma gueule. Hey, j'ai mes TN, j'ai ma sacoche, tu crois que je fais quoi? Et imagine, il y a la police qui arrive. Et alors, ils ont qu'à venir, tu crois, ils vont faire quoi? Tu crois c'est qui? Tu crois c'est des super-héros ou quoi? Eh, tu crois c'est pourquoi que j'ai ça? Eh mon gars, ça c'est pour courir vite. Et s'ils te rattrapent, tu fais comment? Eh, s'ils me rattrapent, tu crois, ils vont faire quoi? Eh au pire, je leur jette des cailloux, je me défends, tu crois je suis qui?
Il y a la police là-bas en plus. Où? Wesh, pourquoi ils descendent de leur voiture? Pourquoi ils s'arrêtent? Pourquoi ils s'arrêtent à ton avis? Peut-être parce que tu les as mal regardés. Ne vous inquiétez pas, je vais régler ça, il n'y a pas besoin de courir, ils savent très bien je suis qui. Bah vas-y, cours! Cours! Contrôle de police, pourquoi est-ce qu'ils vous demandent de courir, votre camarade là-bas là? Non, vous inquiétez pas, j'étais en train de parler avec mes amis. Parce que vous connaissez, on est des adolescents, on aime bien parler un peu pour rien, vous savez. Vous inquiétez pas. Et il est en train de parler avec eux. Y'a quoi dans votre sacoche? Dans ma sacoche, ma mère, elle m'a donné une brioche et une clémentine pour le goûter. Ok, on s'est arrêté parce que vous nous avez mal regardé. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bah en fait, c'est le soleil. J'ai été aveuglé quand vous êtes passé, je vous regardais. Et j'étais comme ça, mais le soleil, il me piquait les yeux. Ok, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Bonne journée, vous faites du très bon travail, merci d'être là. Wesh, ils partent! Alors, t'as eu quoi? Aïe, aïe, il les a fait fuir. Hein? Voilà, je crois que je t'avais dit quoi? Eh, y a pas besoin de courir, ils me connaissent, ils savent très bien je suis qui. Y a ma tête au commissariat, sur un gros mur, tu vois, y a un gros mur, il fait 5 mètres de large et 10 mètres de haut, tu vois, et y a ma tête sur tout le mur. Ils savent je suis qui, wesh. Ils savent très bien, faut pas faire fou avec moi. Ah ouais, ouais, j'aimerais bien être comme lui, la chance. Ouais, Hugo, t'es un vrai bonhomme en vrai, hein. Ben ouais. Pourquoi est-ce que tu me regardes mal comme ça, toi? Mais qui t'a regardé, toi? Tu crois que t'es le roi du monde ou quoi? Écris ton cours et ferme ta bouche, là, c'est un ouf, lui. Tu ne me donnes pas d'ordre. Je te donne des ordres, tu vas faire quoi? Oui, bon, allez, tais-toi. Attends la sortie, tu vas voir. Dès que ça va sonner, je vais t'attraper, je vais te défoncer. Oui, bah c'est ça. Hein. Les chiens qui aboient le plus sont ceux qui mordent le moins. Moi, je suis un chien. J'ai pas dit que t'étais un chien, gros débile. Les oreilles, c'est comme les fesses, ça se lave. Moi, je suis débile. Qu'est-ce qui se passe au fond? Excusez-moi, madame, je voulais juste demander un stylo. Tu vois, t'as peur de la prof. Et bah voilà. Ah, tu sais quoi? Vas-y, viens là maintenant. Ah là là, il fait son spectacle. Hein. Vas-y maintenant, viens maintenant. Vas-y, Hugo, montre-lui, t'es qui? Ah. Hugo, calme-toi, tu te calmes! Et la fille de ma mère, t'as de la chance, il me tienne, je vais te défoncer! Défonce-le. Bon, allez, t'as fini ton spectacle là, le petit chien? Tu peux te rasseoir, c'est bon. Moi, je suis un chien, lâche-moi! Oh! Oh non! Oh! Quelqu'un a de l'eau? Tiens! Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mal à la tête. Pourquoi je suis trempé? Vous êtes venu pour voir mon cahier. Et il y avait un sac par terre, vous avez glissé en arrière. Et du coup, je vous ai fait les gestes de premier secours et voilà. Ah oui? Merci beaucoup, Hugo. Pas de soucis, madame. Oh, il a défoncé la prof, elle lui a rien dit. Oh, il est trop fort. Merci de m'avoir amené au cinéma. T'inquiète pas. Et merci d'avoir payé. Vas-y, le film, il commence. Hey, toi, enlève tes pieds, là. Il veut quoi, lui? T'inquiète pas. C'est le malin. Hey, chute, là! Chut. Mais wesh, je reçois des pop-corns. Wesh, c'est quoi, ça? Wesh, taisez-vous, là, je vais venir, sinon. Pardon. Hey, c'est quoi, ça, wesh? C'est des pop-corns, je sais pas c'est qui a envoyé. C'est eux. Hey, toi, là. Wesh! Vas-y, va leur montrer t'es qui. Vas-y, attends. Eh, c'est sur qui vous jetez des pop-corns? Vous êtes des ouf ou quoi? Papa! Il n'y a pas de papa ici, ton père il est pas là. Je fais quoi? Je vous démarre? Tu veux quoi, toi? Pourquoi tu viens parler à mes enfants? T'es un ouf ou quoi? Non, en fait, ils me jetaient des pop-corns dessus. Vas-y, Hugo! Démarre-les! Ils me jetaient des pop-corns dessus et moi je suis venu pour leur dire d'arrêter. Ça veut dire là en gros t'es en train de dire mes enfants à moi c'est des mal éduqués, moi mes enfants c'est des mal élevés. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Vas-y Hugo, monte-lui t'es qui, monte-lui. Non, mais vous savez quoi? Je suis vraiment désolé. Je vais t'en mettre une, pas deux, tu vas voir, viens là. Excusez-moi, pardon. Bah tu vas où? Vas-y viens, on y va, il est nul ce film, vas-y viens, vite. Pourquoi? Eh, si je l'attrape lui, il va voir. Ouais, c'est un ouf, lui. Hey, Hugo, il y a la CPE qui veut te voir. Elle veut me voir, moi? Tu dois aller la voir maintenant. Vas-y, j'y vais. Bonjour, madame. Bonjour, Hugo. Alors, où est-ce que tu étais? Désolé, je pouvais pas venir, j'étais avec mes potes. Alors, t'as oublié notre petit arrangement? Ah non, pas du tout. Je vais quand même te le rappeler. Tu viens tous les jours dans mon bureau, sans que j'ai besoin de venir te chercher. Et tu me dis tout ce qui se passe dans cette école. Tout!
si tu veux pas que je dise à tous tes camarades que c'est toi qui les dénonce. Oui, vous inquiétez pas, madame, je m'en rappelle. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il s'est pas passé grand-chose, en fait, en vrai. Tu es sûr que tu veux jouer à ça ? Mais il s'est vraiment rien passé, madame. Tu es sûr ? Y'a Yanis, le mec avec qui j'étais avant, là, avec le maillot du PSG, lui aussi. Il vole les quatre couleurs des gens. D'accord. Ah oui, et aussi, il s'est battu avec quelqu'un à la récré, mais personne n'est au courant parce qu'ils sont partis dans un coin. D'accord, tu peux y aller. Tu reviens demain. Ok, au revoir, madame, bonne journée. Alors, elle voulait quoi ? Je sais pas, m'a convoqué, je sais pas, me parler de quoi, je me suis levé, je suis parti. Yanis, la CPE, elle veut que t'ailles dans son bureau tout de suite. Quoi, elle veut me voir moi ? Pourquoi ? Ah, bizarre, pourquoi elle veut te voir ? Vas-y, je vais la voir. Tu veux quoi, toi ? Pourquoi tu me regardes ? Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Oh ! Wesh, tu parles à qui, toi ? Wesh ! Eh, vas-y, Hugo, montre-lui t'es qui ? Tu te calmes, je te permets pas. Ah, vas-y, Hugo, démarre-le ! Eh, t'es malade, toi, quoi ? Wesh, arrête de faire le fou avec moi, tu veux pas que je te démarre, là ? Hey. Wesh, t'es ouf ou quoi toi? Tu me pousses. Et en fait, tu me cherches, tu veux te taper. Y'a une bagarre. Vas-y, casse-toi, c'est bon frère, vas-y, dégage. Lui, c'est un ouf ou quoi lui? Non, je crois pas. Je crois que t'as besoin d'être remis à ta place. Eh, je te dis, dégage là. Bah, tu voulais te battre, non? Donc viens. Wesh, il veut que je le démarre devant tout le monde lui en fait. Ah, vas-y, Hugo, démarre-le devant tout le monde. Eh, vas-y, je vais le démarrer, vas-y. Eh, tiens, moi ma sacoche, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, je te la garde bien au chaud. Vas-y, viens maintenant, je fais ouf devant tout le monde, viens. Wesh, il sait se battre lui ? Eh, fais gaffe mon gars, il fait de la boxe, hein. Fais gaffe juste. Genre la vie de ta mère. Vas-y Hugo, déchaîne-toi ! Eh, attention hein. Fais gaffe hein. Oh, heureusement j'ai esquivé. Wesh. Vas-y Hugo, enchaîne-le ! Allez, approche. Ouais. Wesh. Allez Hugo, t'es plus chaud que lui, wesh, tu le démarres. Eh mon gars, vas-y, désolé. Il se passe quoi là? Vas-y Hugo. Eh, vous inquiétez pas. Eh, vas-y, on fait la paix, t'inquiète pas. J'ai pas envie de me battre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Wesh, ils font quoi? Ouais, en vrai, tu me défonces, je pense que tu me défonces. Je suis sûr que tu me défonces. Ah, petit bouffon, va. Eh, dis à personne, s'il te plaît. Hein. T'inquiète pas, moi je m'en fous d'être populaire. Retourne voir tes potes. Mais la prochaine fois que tu fais le fou, tu vas voir. Allez, dégage, petit chien. Wesh, il part. Merci beaucoup, maître. Au revoir. Eh, en fait, on va pas se battre, il est parti, tout ça, ouais, il sait très bien, wesh. Ouais, il est trop fort, il a jamais besoin de se battre et tout le monde s'échappe à chaque fois. Eh, comment il fait pitcher ce lycée, frère? Je suis sûr que je termine tout le monde ici. Eh, toi, là! Pas moi. Ouais, toi, eh, t'es un ouf ou quoi? Moi ou lui? C'est à lui que tu parles, hein. C'est à lui, on est d'accord. Eh, me mets pas dans tes problèmes, c'est à toi qui parle. Bref, moi, je vais là-bas. Eh, hey, je vois depuis tout à l'heure, je suis là-bas, là, tu me regardes mal. Eh, hey, t'as pété un câble ou quoi? Je te regarde mal? Non. C'est j'ai un problème des yeux. Je peux pas cligner des yeux, du coup, les gens, ils pensent que je les regarde mal. Tu me prends pour un imbécile en plus? Ah non, je te jure, regarde, je peux pas cligner des yeux. T'as vu, là, t'as l'impression que je te regarde mal, mais en fait, je peux pas cligner des yeux, c'est pour ça. Ah, y'a quoi dans ta sacoche? Dans ma sacoche? Tu veux voir? Vas-y, montre. Alors, y'a dans ma sacoche... Il y a mon goûter, voilà, ça là, ma mère elle m'a donné ça pour faire mon goûter, un pansement, au cas où si je tombe, tu vois, si je me fais mal, c'est ma mère qui veut, et des mouchoirs, parce que je suis souvent enrhumé. Vas-y carré, je prends le goûter, en plus comment j'ai faim frère. Oh non, mon goûter. Hein? T'as dit quoi? J'ai dit bon appétit. C'est bon, il est parti. Je sais pas, il voulait quoi là, je lui ai dit dégage, va là-bas, arrête de parler avec moi, et c'est bon, il est parti.